Je n'ai pas l'habitude de prendre la parole à cet endroit. Alors je vais faire un effort d'élocution, mais si ça ne marchait pas, vous pouvez me faire des signes d'alerte diverses. Pour cette section du colloque consacré aux scènes de nuit, nous avions pensé d'abord à coupler une communication sur l'opéra comique, en particulier l'opéra comique de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, avec une conférence-concert de 45 minutes. Et puis, la profusion de ce type de scènes et l'intérêt de ces scènes dans le répertoire nous ont conduit à sacrifier la communication au profit d'une conférence-concert d'une heure et quart, une heure et demie, qui permettait d'offrir aux participants du colloque et au public une dizaine de ces scènes totalement inconnues. La possibilité de tenir cette manifestation artistique dans les conditions qui étaient envisagées en première intention, particulièrement acrobatique, je vous rappelle, il s'agissait de représenter ces scènes de nuit en juin à Montpellier, entre 15h et 16h30, dans un théâtre de plein air, avec un orchestre classique et des chanteurs qui ne sont pas amplifiés, aucune voix n'est amplifiée. Bon, finalement nous sommes heureux d'être ici, donc c'est peut-être mieux, plus approprié. De toute façon, pour organiser une telle conférence-spectacle consacrée à ce répertoire de l'époque de l'encyclopédie, il y avait beaucoup d'obstacles à surmonter. Il faut un orchestre, il faut des chanteurs, il faut surmonter toutes les contraintes matérielles inhérentes à l'entreprise musicale, c'est-à-dire la préparation des matériels, la photographie des partitions, ne pas mélanger les unes et les autres, etc. Organiser les répétitions avec beaucoup de participants. Et puis il a fallu aussi, je vais en dire un mot, sélectionner des extraits, donc travailler assez longuement sur des partitions et sur le répertoire. Alors c'est sûr, il y a à remercier beaucoup de monde, je vais le faire. Il y a d'abord à remercier Sylvain Ragusa, qui est dans la salle, je crois. Sylvain se cache. Qui est le fondateur de l'ANACRUS, l'association, qui a constitué, sous la direction de Clément, l'Intersymphonique de Montpellier, un orchestre d'étudiants, mais d'étudiants et d'élèves du conservatoire déjà pré-professionnels. Merci à tous pour votre contribution providentielle. Il faut aussi remercier les artistes, les chanteurs, les étudiants de l'université, élèves du conservatoire, talentueux, pour certains déjà professionnels, et qui, comme l'Intersymphonique de Montpellier, se prêtent à cet exercice assez acrobatique, en fait, tout à fait gracieusement, par enthousiasme. C'est le propre de la jeunesse, et on les remercie au moins pour leur jeunesse. Moi, j'ai à vous dire que pour le prof, c'est un moment d'une épaisseur assez spéciale, et je vous remercie vraiment de tout cœur d'avoir joué le jeu jusqu'au bout. Enfin, je pense qu'il faut remercier, en mon nom, mais aussi au nom des étudiants du département qui ont préparé, en lisant des partitions, en sélectionnant des scènes, en réfléchissant. Il faut remercier les archives municipales de Montpellier, tout particulièrement Clément Ségalas et Christine Feuillas, qui depuis environ 2 ans accueillent avec un mélange d'enthousiasme et de prévenance à chaque fois les étudiants au sein des archives municipales. C'est une situation unique que je n'ai pas connue ailleurs, qui facilite beaucoup de choses. Je pense qu'on n'aurait pas pu faire ce spectacle si on n'avait pas eu accès à ce fonds, parce que la totalité du spectacle est entièrement fondée sur les partitions conservées aux archives municipales de Montpellier. Donc il y a toute cette musique, tout ce théâtre aux archives municipales, et c'est le premier point qu'il convient de souligner avant de donner la parole aux comparses. L'opéra comique, dont il est question, a été le genre favori des encyclopédistes, presque son enfant, leur enfant. Et sa popularité pendant la Révolution et l'Empire se mesure aux dizaines de milliers, peut-être des centaines, je ne sais pas, après
quand on ajoute des zéros, on ne maîtrise plus les proportions, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de représentations données dans l'espace national entre 1760 et peut-être 1770, 80, pour ce qui concerne ce répertoire. Et ce fait faisait dire au ministre des Beaux-Arts sous la Restauration que le genre tout entier était, c'est son expression, éminemment national. Il voulait dire par là jusqu'à quel point ses œuvres étaient familières à une très large partie de la nation, dont elles étaient, dont elles constituaient, pour ainsi dire, un socle culturel commun. Alors les étudiants de master en musicologie ont exploré ce répertoire. Ils ont lu une quarantaine d'opéras comiques, peut-être un peu plus, je suis désolé si j'en brime quelques-uns. Je n'ai pas compté, c'était pas possible, 40, 60, je ne sais pas. D'opéras comiques créés à Paris, puis joués à Montpellier, puisque nous en avons le matériel aux archives municipales. De ces lectures, il ressort que les scènes de nuit sont très nombreuses et que la nuit, comme situation représentée, ou vous allez le voir, comme préoccupation exprimée de jour par les personnages, et puis aussi comme un instant très caractéristique, très particulier de l'intrigue, eh bien la nuit prolifère dans ce répertoire. Nuit calme, nuit de péril, nuit bouffonne, nuit d'attente, nuit érotique, nuit comme point de départ ou comme point d'arrivée de l'unité de temps, fin de la nuit, l'aurore, début de la nuit, crépuscule, milieu de la nuit, minuit. La nuit prolifère au point que l'hypothèse doit être énoncée qu'elle constitue une des caractéristiques particulières de ce genre, à cette époque, de ce théâtre du sentiment, né au milieu du siècle, en même temps et dans l'entourage de l'encyclopédie. À ce théâtre moderne, comme on disait dès les années 60, qui, suivant la réforme dramatique théorisée par Diderot, prend ses distances avec le classicisme, la nuit apporte une source d'inspiration qui recompose le temps fictif, qui modifie l'organisation d'une idée de temps, qui redéfinit la perception de l'espace scénique et stimule l'invention musicale et scénographique. C'est pourquoi nous lui avons donné avec un peu d'humour le titre de « Scène de nuit dans l'opéra comique » à l'époque de Diderot et des bougies ».